Salut à tous. Du coup, on va voir aujourd'hui comment on enlève un peu les rayures de plastique. Parce que ça nous arrive un peu à tous, en fait, d'avoir des rayures avec les bottes ou les transports ou les chutes. Et s'ils ne sont pas protégés, en fait, par des kits déco, bah, souvent les plastiques vieillissent très mal. Du coup, on va voir comment on enlève ces fameuses rayures en faisant les choses simplement et pour pas trop cher, avec des choses qu'on peut avoir chez soi ou rapidement au magasin de bricolage. Donc voilà, on peut voir les rayures de bottes, de chutes, notamment les rayures bien bien incrustées et la saleté. Comme ceci par exemple, hein, on voit les plastiques sont rendus très très mat à cause des poussières qui se logent entre la botte et le plastique et qui frottent à longueur de journée quand vous roulez sur vos plastiques et qui du coup les raillent. Vous coupez des belles petites bandes de papier à poncer en mille. Et vous trouvez un petit récipient pour pouvoir tremper en fait vos petites bandes préalablement coupées pour les humidifier. Après avoir essuyé avec un chiffon microfibre, vous pouvez voir que les rayures très profondes ne s'enlèvent pas. Et du coup, pour ça, il ne faut pas hésiter à grossir un peu le grain pour pouvoir aller justement réaplanir ces fameuses rayures et du coup refinir derrière au milieu. Alors pour enlever les rayures profondes, on va prendre du 400, toujours du papier alu, ça sera parfait. Alors une fois que vous avez fini le papier à poncer de 400, vous reprenez le mille et c'est reparti. Et voilà, en fait ça devient tout brillant. Alors par contre il y a les émollients parce que sur les plastiques blancs c'est pas facile en fait à toujours les garder blancs. Par contre sur les plastiques noirs, orange, vert, jaune, là vous pouvez faire un petit peu moins attention parce que les défauts se verront clairement moins. Bon par contre ne vous attendez pas à avoir un aspect neuf. Parce que les plastiques, ça reste quand même du plastique. Une fois qu'il est rayé et usé, c'est compliqué de le réavoir très propre et très très lisse. Mais en tout cas,
bah, ça évite de les changer et ça peut leur donner une seconde vie, évitant de toujours redépenser et dépenser et redépenser. Et ça permet de redonner un aspect propre pour pas cher en fait de sa moto. Alors autre chose, si vous avez encore des impuretés quoi que ce soit, c'est là que vous pouvez utiliser le polish voiture ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est sur le blanc, je vous ai dit, c'est très compliqué à voir, mais ça peut toujours enlever quelques défauts ou quelques aspects marbrés en fait du plastique. Si vous avez des incrustations de graisse, de chaîne ou je ne sais quoi, vous pouvez l'avoir avec ça. Donc voilà, tout simplement. Par contre, attention, quand j'ai flammé, protégez quand même le filtre à air. Vous mettez le capuchon. Je l'ai pas fait là, mais j'aurais dû. Parce que tout simplement, si la flamme elle va là-dessus, ça va prendre feu. Donc voilà, mais je me suis pas non plus embêté à démonter les plastiques hein, pour vraiment leur donner un aspect propre. En gros, ça m'a pris aller une demi-heure à la main. Voilà, je vous invite à faire ça sur tous vos plastiques qui sont usés. Et bah, ça leur donnera du coup un aspect un peu plus pétant, un peu plus propre quoi. Mais bon, ça sert à rien de se prendre la tête, hein. J'ai pas voulu non plus tout démonter et refaire tout l'aspect propre, puisque de toute façon, hein, les motocross, hein, c'est pas fait pour les faire briller dans un salon, c'est fait pour rouler avec, et voilà. Le tout, c'est d'avoir quand même une machine propre et entretenue. Bon, bah merci pour le visionnage, et puis bah, à bientôt pour d'autres astuces peut-être. Allez, ciao!